Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à SaaS Forward. Je suis Benoît Romager, pour Microsoft en charge des éditeurs de logiciels dans les équipes partenaires. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Sylvain Mousset, député Chief Product Officer chez Cegid. Donc merci Sylvain pour ta disponibilité et ton temps parmi nous. Écoute, aujourd'hui cette session est orientée autour de la transformation des éditeurs de logiciels autour des trois clouds de Microsoft. Donc Cegid, vous êtes un parfait exemple de cette transformation. Mais avant de rentrer spécifiquement dans le détail, est-ce que tu peux un peu nous présenter Cegid, le groupe Cegid et puis un peu ses principales activités? Oui, bien sûr. Bonjour Benoît. Donc Cegid, c'est un éditeur de logiciels, un des leaders européens du logiciel. Pour donner quelques chiffres, en 2021, on aura fait pro forma un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros. Les deux tiers sont faits en software as a service. Et 84% de notre chiffre d'affaires est récurrent. On est 3600 collaborateurs présents dans 20 pays. Nos logiciels sont utilisés dans 130 pays. Et on a 8000 partenaires tout autour du monde qui revendent et intègrent nos logiciels. Bon. On agit sur 5 marchés. Deux verticaux, le marché des experts comptables, qui est le marché historique de Cegid, le marché du retail, le marché des petites entreprises, et puis deux marchés plus horizontaux, les fonctions finance, donc ERP, consolidation, trésorerie, fiscalité, et le marché du human capital management, les grandes fonctions de paye et de talent management. Voilà ce que fait Cegid. D'accord, mais un bel exemple d'éditeur, en fait, vous êtes effectivement protéiforme en fait, sur les différents secteurs et un acteur historique avec Microsoft. Ça fait plus de 15 ans que nous sommes partenaires ensemble avec Cegid. Et ce qui est super intéressant justement pour venir au contenu de la session aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années de ça, on va dire 6-7 ans en arrière, vous avez pris le virage du cloud, de transformer votre business effectivement qui était majoritairement on-premise, notamment sur votre secteur d'origine plutôt expert comptable, de le transformer vers le cloud et de vraiment de faire évoluer vers la partie SaaS. Du coup, c'est ça qui est super intéressant de voir comment vous avez réussi cette transformation par rapport aux chiffres que tu donnais. Maintenant, 66% de cloud mix, c'est énorme justement pour un éditeur de votre taille. Est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être sur la partie justement segment expert comptable, comment vous avez opéré cette transformation-là? Alors, d'abord, on a toujours pensé que le cloud présentait des avantages métiers pour nos clients. Des avantages technologiques, bien sûr, on y reviendra, mais aussi des avantages métiers dont ils allaient pouvoir profiter au service de leur productivité, de leurs produits, de leurs services. Et dans le cas des experts comptables, assez tôt, on a, converti nos applications historiques pour les porter dans le cloud. Et puis, voyant que le cloud, notamment le cloud public et celui de Microsoft, nous offraient des opportunités technologiques, on a pensé à créer une nouvelle génération d'applications, cloud native, née dans le cloud. Et si je devais en tirer deux objectifs principaux, deux faits majeurs, le premier, c'est que c'est une profession qui doit s'automatiser, c'est-à-dire que les flux de données entrent automatiquement dans les applications et sont transformés automatiquement en écriture comptable. Et donc pour ça, on développe de l'intelligence artificielle. Et donc ça, le cloud, on avait besoin du cloud pour faire ça. C'est absolument nécessaire. Et c'est un enjeu qui va aller grandissant dans le métier de la comptabilité, dans les métiers de la finance en général. Et donc on a fait grandir ça. On n'a pas fini, c'est un chantier avec notamment l'arrivée de la facture électronique qui sera en France d'ici quelques années, ça va s'accélérer. Et puis le deuxième objectif qui est très important pour cette profession, c'est la dimension collaborative, à la fois en interne dans les cabinets d'expertise comptable pour que le travail en équipe autour des dossiers de leurs clients soit très efficace. Et malheureusement, le Covid a montré combien c'était utile de pouvoir travailler comme ça. Et puis, en externe, vis-à-vis de leurs clients eux-mêmes, de pouvoir se mettre en situation de collaboration avec leurs clients. Et là, le partenariat avec Microsoft, il a joué à plein, puisque là, on s'est intégré avec Teams. Et donc, notre solution, elle est cloud native. Donc, je trouve ça décrit bien le partenariat avec Microsoft, à la fois un partenariat très technologique sur les outils de développement, les operating systems, les bases de données et l'infrastructure cloud de Microsoft Azure, et aussi un partenariat autour des applications, directement tourné vers l'utilisateur, avec une intégration intime entre une application métier et les applications de type Office 365 Teams.
Tout à fait. Merci pour cette illustration. Effectivement, on a un partenariat à deux niveaux sur cette offre-là. Effectivement, Azure pour tout ce qui est couche basse, infrastructure. Office 365 Teams pour la partie collaboration. Et donc, effectivement, intéressant de voir comment vous avez leveragé ces deux clouds-là pour aider à transformer une profession qui est aussi extrêmement réglementée. Donc, c'est aussi intéressant que vous ayez réussi à faire ce transfert, ce changement, ce pivot sur une industrie aussi spécifique. Et alors, du coup, ce qui est intéressant également, c'est une autre de votre activité, un petit peu différente cette fois-ci, où là aussi, vous avez pivoté vers le cloud, qui va être le retail. Donc là, on est totalement différent. On a vu la partie expert comptable, industrie plutôt des clients français, plutôt une typologie de client SMB et plutôt une profession aussi très réglementée. Là, on se parle maintenant de la partie du segment retail côté Cegid, où là, vous allez plutôt être sur une optique internationale, des grands clients entreprises, de la fashion. Donc, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Comment vous avez opéré cette transformation-là avec des enjeux totalement différents, plus internationaux et sur des clients plus grands comptes? Donc, effectivement, on équipe des clients du retail. Donc, ce qu'on fournit à ces clients, ce sont des marques. Beaucoup dans le domaine de la mode et du luxe. On est vraiment un leader français, un leader pour accompagner ces clients-là. On fournit ce qui équipe les boutiques, c'est-à-dire on appelle le POS, Point of Sale, le point d'encaissement dans la boutique, qui s'est fonctionnellement très étendu avec ce qu'on appelle l'omnichannel, puisqu'aujourd'hui, l'expérience des retailers est multicanal, la boutique, les sites web, etc. Et donc, il y a quelques années, nos clients, qui voulait d'une part avoir un système d'information centralisé, piloter de manière centralisée la totalité de leur réseau, de leur boutique. Être agile, pouvoir ouvrir des boutiques, enfermer, accélérer leur business. Donc ça, nativement, le cloud nous permettait de centraliser, d'être très agile dans la croissance et la scalabilité de l'application. Et puis, il se trouve que les clients français du luxe et de la mode sont des acteurs mondiaux. Et donc, ils nous ont demandé de les accompagner dans leur déploiement international. Et donc, en allant vers le cloud, on s'est retrouvé devant la nécessité de se déployer non seulement évidemment en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Et donc, on a déployé dans les Point of Delivery d'Azure, en Irlande, en France, puis en Californie, à San José, puis à Singapour pour desservir le sud-est asiatique. Et tout récemment, on a ouvert un point of delivery dans China Mainland, donc en Chine, continentale, avec Microsoft et un de ses partenaires, ce qui nous permet de pouvoir accompagner nos clients dans le déploiement de leur business tout autour du monde. Ça, c'était un peu la première étape. Et la deuxième, comme tout à l'heure avec les experts comptables, ça a été de profiter des opportunités technologiques. Donc là, on a sorti à l'automne dernier une nouvelle génération de notre application qui s'appelle Cegid Live Store, où on fournit à nos clients le moyen de donner à leurs vendeurs, dans la boutique, une expérience totalement digitale. La caisse est sur une tablette, sur un téléphone, sur un smartphone. Et le vendeur va pouvoir aller au-devant de son client, faire l'essentiel des opérations, c'est-à-dire enregistrer une vente. Mais aussi, par exemple, si le client souhaite un produit qui n'est pas dans la boutique, passer la commande, consulter le stock dans des autres boutiques, piloter des livraisons de boutique à boutique, connaître l'historique du client qu'ils ont en face d'eux, etc. Donc en fait, on démultiplie la capacité de vente dans la boutique et on offre à nos clients la possibilité d'offrir à leurs vendeurs une expérience complètement digitale. Donc là encore, c'est le mixte entre l'innovation. Là, on est dans l'innovation, on apporte vraiment quelque chose à nos clients. Et donc, c'est dans le cadre du partenariat avec Microsoft qu'on a franchi ces différentes étapes. Très bien. Et ça, justement, comment tu vois justement ce partenariat-là? Ce n'est pas qu'un partenariat technologique, justement, comme tu le précises. Il y a un partenariat technologique, go-to-market, co-sell également. Ça, tu le vois comment au quotidien, en fait, notamment sur la partie retail, par exemple? Comment est-ce que ça se concrétise pour toi, en fait? Ce qui est important, c'est que Cegid et Microsoft partagent bien les enjeux de leurs clients. Alors la bonne compréhension partagée des problématiques qui sont celles de nos clients, donc que je viens de citer, l'internationalisation, le besoin de pouvoir aller très vite, faire des changements d'organisation. C'est dans ce métier du retail, ça change très vite. C'est un business B2C pour eux, donc nous sommes en B2B2C. Et donc, le B2C nous oblige, nous, à les suivre sur le chemin de l'innovation, de la personnalisation. Et donc, la,
la bonne compréhension des enjeux avec Microsoft, le fait qu'on se parle souvent, qu'on décrive souvent les problématiques de nos clients, comment il faut les adresser, est absolument nécessaire pour qu'on puisse bien servir nos clients. D'accord. Et effectivement, en plus, côté Microsoft, le fait qu'on puisse vous accompagner commercialement aussi par nos entités commerciales sur chacun de ces pays-là, y compris la Chine, effectivement, ça aide aussi à votre transformation, à ouvrir de nouveaux territoires et de nouvelles zones de jeu, on va dire, pour ces gîtes. Bon, merci pour ton retour sur ces deux exemples, Sylvain. Et peut-être maintenant, ça c'est donc des exemples qui sont aujourd'hui concrets, vous avez avancé fortement sur ces deux services-là. Maintenant, comme tu le disais, il y a encore du chemin à faire, vous avez encore d'autres ambitions, vous voulez encore vous développer. Peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur deux actualités, on va dire, côté Cegid. Déjà, le rachat de Talentsoft que vous avez opéré cet été, comment ça s'inscrit dans votre démarche et dans votre stratégie, dans vos enjeux futurs, justement, de cloudification de votre business? Alors, effectivement, Cegid a acquis Talentsoft, la très belle entreprise Talentsoft, le succès Talentsoft à l'automne dernier. C'est venu renforcer notre pôle Human Capital Management. Et ça fait de Cegid un leader en Europe sur ce domaine-là. L'arrivée de Talentsoft nous permet donc de nous renforcer sur le pôle HM et aussi de poursuivre notre démarche à l'international, puisque Talentsoft adressait les pays d'Europe du Nord, ce qu'on ne faisait pas. Donc on ouvre pour nous un nouveau marché en Europe et ça nous permet d'atteindre cet objectif de devenir un leader européen du software as a service sur les métiers qu'on a choisi d'adresser. Donc ça nous aide à atteindre nos objectifs. Ensuite, on partageait avec Talentsoft le goût pour l'innovation et donc ensemble on a des enjeux qui rejoignent d'ailleurs d'autres enjeux qu'on a vus tout à l'heure chez les experts comptables, qu'on retrouvera dans la finance, qui va être l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle au service des scénarios d'usage de nos clients. Et donc là, il y a toute une dimension d'innovation sur laquelle on travaille. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Par exemple, apparier les bons CV avec les bonnes recherches de... Les bonnes offres d'emploi, bon, typiquement l'intelligence artificielle va nous aider à faire ça. Elle nous aide à automatiser des processus financiers par ailleurs. Donc l'utilisation de la data, il se trouve que dans nos clouds, on a de très grandes quantités d'informations de très bonne qualité. Et donc on pense qu'on peut valoriser pour nos clients ces données-là en les travaillant, en les qualifiant, en les agrégeant, en créant de nouvelles données à partir de celles-là. Donc là, on a des vrais enjeux. Et au final, l'enjeu qui nous préoccupe le plus, c'est celui de l'expérience client. Donc on pense que la compétition entre les éditeurs de logiciels, elle va se jouer sur l'expérience client, sur le plaisir qu'auront nos clients à utiliser nos produits, parce qu'on va les rendre efficaces, parce qu'ils auront eu une expérience mémorable en utilisant nos logiciels. Et donc tout le travail, que ce soit pour le Human Capital Management, où on adresse tous les salariés d'une entreprise, pas seulement les utilisateurs d'un domaine métier, mais tous les salariés. Et donc là, l'enjeu de la UX, de la User Experience, de l'expérience client sont fondamentaux. Et donc, c'est ça globalement nos objectifs, continuer notre développement international, notre virage sur le SaaS qui est à 66% qui va continuer de croître et vers nos clients d'enrichir, d'améliorer l'expérience client, l'usage qu'ils ont de nos logiciels. D'accord. Et on va vous accompagner avec encore d'autant plus de plaisir que Talentsoft est toujours un client Microsoft sur lequel on était déjà en partenariat sur la partie Azure notamment, donc même sur Viva également en innovation pure et dure. Donc on va effectivement continuer à vous accompagner avec plaisir sur ces sujets-là. Et peut-être justement sans déflorer de secret, aujourd'hui en termes de roadmap, pour toi, là, on a parlé du retail, on a parlé d'HCM avec l'intégration de Talentsoft, on a parlé des experts comptables. Pour toi, le prochain segment, on va dire, à cloudifier, le prochain segment sur lequel vous aimeriez justement dupliquer ces best practices-là de migration de on-prem vers le cloud, quel serait-il en fait? Alors, d'une part, puisqu'on est à 66%, on a déjà fait une grande part du chemin. Pour le métier expert comptable, on a fait 100% du chemin. Aujourd'hui, tous nos clients sont dans le cloud. Et il y a des secteurs où on l'est un peu moins. C'est le secteur de l'ERP, le secteur de la finance, où on peut encore... Il y a encore des clients qui sont sur des solutions on-premise pour des tas de raisons. Et il faut qu'on les convainque.
qu'on les entraîne avec, dans notre sillage pour leur démontrer tout le bien faire. Alors, je pense que toute l'actualité récente va continuer de nous aider. Le Covid a été un accélérateur parce qu'on a montré que si on n'était pas bien organisé dans ces infrastructures, on ne savait pas s'adapter à un changement aussi radical que celui que le Covid nous a demandé de faire. Et puis, toute la question de la sécurité. Je pense que ça va convaincre les derniers à aller dans le cloud, parce qu'aujourd'hui, on voit, bon, avec la guerre par exemple, que la cybercriminalité est vraiment, c'est une réalité, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un scénario de mauvais film. Non, c'est une réalité au quotidien. Et donc, les entreprises, on doit continuer à les convaincre qu'ils seront mieux protégés. Ils protégeront mieux leurs données dans le cloud que dans des infrastructures locales. Donc, on va continuer, avec notre bâton d'évangéliste du SaaS, à essayer de les convaincre. Et aussi, en apportant, en innovant, en apportant des fonctionnalités qu'on ne peut délivrer que dans le cloud, comme par exemple l'intelligence artificielle et tout le travail qu'on peut faire autour des grandes masses de données qu'on manipule. Là, on va pouvoir délivrer des services que chacun dans son coin, dans son infrastructure locale, on ne pourra pas délivrer. Donc pour toi, c'est ça vraiment les bénéfices de la transformation 3 cloud, c'est vraiment la partie amener de l'intelligence dans vos services, amener justement agréger de la data, arriver à en tirer des conclusions pertinentes pour mieux servir vos clients. Oui. Donc ça, c'est vraiment un des premiers avantages pour toi. La scalabilité internationale, tu nous as beaucoup parlé, parce que maintenant, vous êtes vraiment positionné comme un leader européen et notamment sur le retail et l'international, donc effectivement, scalabilité internationale. Un facteur de différenciation par rapport à vos concurrents qui n'ont pas encore fait ce chemin-là ou qui n'ont pas fait aussi vite que vous. Et quatrième point, c'est ce que tu disais, c'est l'UX, en fait, c'est prendre du plaisir à utiliser en fait, vos logiciels grâce à justement une interface client qui a été pensée pour en fait, les besoins du client et la plus intuitive possible. Et ça, c'est encore le cloud effectivement qui vous permet de délivrer via Teams, Azure et d'autres services sur lesquels on travaille ensemble. Bah, écoute, merci beaucoup Sylvain, c'était super intéressant. En tout cas, on espère que ça vous a intéressé, donner quelques indications sur quelques best practices et une très belle réalisation de notre partenaire Cegid. Merci beaucoup Sylvain pour ton temps. Merci à vous. Et puis merci à vous tous et toutes pour votre attention. À bientôt. À bientôt, au revoir.